les victimes de ces orages qui ont touché deux tiers des départements de la France seront très rapidement indemnisées dans la mesure où les maires vont se mettre en communication avec les préfets, que donc les communes touchées seront déclarées en état de catastrophe naturelle et donc nous allons mettre au point une cellule de crise. La première aura lieu le 19 juin pour regarder l'ensemble des communes, les déclarer en état de catastrophe naturelle et donc ensuite faire que les assurances puissent indemniser très très vite les personnes qui ont été touchées. En tout cas, tout le ministère est mobilisé pour qu'on agisse le plus rapidement possible et que les gens puissent retrouver une vie normale le plus vite. Un fonds d'urgence alloué de combien ? Est-ce qu'on peut donner un chiffre ? On ne peut pas donner un chiffre pour cette année puisqu'on vit encore cet épisode. On peut dire que ce fonds en France, c'est à peu près l'équivalent d'un milliard d'euros par an pour des épisodes divers. Ça peut être comme l'année dernière, les feux de forêt, ça peut être les inondations comme cette année. En tout cas, notre système de solidarité en France est un système solide qui permet aux personnes victimes de catastrophes naturelles comme ici d'être assez rapidement indemnisées et de pouvoir reprendre assez vite une vie normale.